Alors, je voulais vous montrer cette photo. Et là, il y a marqué pas de yeux, pas d'oreilles, pas de bouche et pas de couilles. Mais l'humanité va de mieux en mieux. Alors, moi, je l'ai marqué à la personne. Bon, c'est triste, hein. Triste de voir ça parce que franchement, c'est tout à fait cela. Là où j'habite, il y a un leurre. Le leurre, c'est le parc. Le leurre, c'est waouh, il y a un parc privé, c'est chouette et tout. Mais c'est pas comme ça que ça se passe réellement. Il y a déjà eu, on me l'a dit, c'était avant-hier, je crois. Il y a déjà eu des. Comment on appelle ça? Il y a déjà eu des cambriolages. Donc dans plusieurs logements différents, hein, des appartements, des immeubles différents dans le parc. Il y a déjà eu voilà, des vols. Et même dans les appartements, ils ont cambriolé. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en plus des gens qui rentrent et qui viennent ouvrir, essayer d'ouvrir les portes dans plusieurs appartements, je l'ai déjà dit, redit, etc. J'ai même demandé, j'ai même écrit à mon bailleur et tout. Et à la copropriété qu'il faudrait mettre un badge pour que la porte soit fermée. Même s'il y en a qui savent très bien comment ouvrir une porte avec par exemple le code, c'est pour ça que je ne parle pas de code. Je vais pas vous dire comment les gens y font, mais les gens savent très bien, même avec une porte fermée avec un code, ils savent très bien retrouver. On voit pas que ça dans les films. Hein. C'est pour ça que je parle pas de code, je parle de que ça soit fait avec un badge. Une sorte de badge rond, carré, comme ils veulent quoi. Bon, on ne m'écoute pas. Il y en a ici qui me font passer pour une personne qui raconte n'importe quoi. Mais bien sûr, eux, ils ne l'ont pas vu de leurs propres yeux. Donc, tant qu'ils ne l'ont pas vu, ils peuvent pas savoir. Bon, mais c'est comme ça. Alors, à chaque fois, donc il y a 2 jours de ça, je crois qu'on m'a dit ça, à chaque fois qu'il y a des. Et en plus, voilà, c'est ça. À chaque fois qu'il y a des forêts, c'est vrai que je n'y pensais plus, moi, j'y pensais plus. C'est vrai que à chaque fois qu'il y a des forêts, de toute façon, voilà, c'est comme ça. Il y a toujours des cambriolages, il y a toujours des vols, etc. Et ça fait depuis des années. C'est pour ça qu'on m'a dit ça il y a des années de cela. Chaque fois que les forains viennent, ben, il y a toujours un cambriolage quelque part. Il y a toujours un truc qui est fait, quoi. Alors peut-être qu'il y en a aussi qui attendent que les forains arrivent et ils se disent, bien, on va attaquer, comme ça on va pouvoir attaquer. On va pouvoir voler, comme ça on croira que c'est les forains qui l'ont fait. Voilà. Mais là, je ne sais pas, mais en tout cas, on me l'a dit, chaque fois qu'il y a les forains, il y a des cambriolages, etc., etc. Voilà. Alors moi, j'ai appris un truc, là, ici, dans mon immeuble. Donc, je n'en parle pas, j'attends que ça soit mis au grand jour, hein, que ça soit mis au grand jour, mais je n'en parle pas. Moi, la seule chose que j'ai dit à une personne, j'ai dit, bah, il faut appeler la police et faire venir la dépêche. Voilà. Maintenant, est-ce que ça va se faire? Je n'en sais rien. Moi, j'ai prévenu la personne. Voilà. Mais je ne vais pas faire plus. Je ne vais pas faire plus. Pourquoi? Parce que déjà, la personne, je ne la connais pas. Et que j'ai décidé que d'arrêter de vouloir aider les gens. D'être Sœur Teresa numéro 2, comme souvent on m'a surnommée Sœur Teresa, parce que si c'est pour que les gens après soient méchants alors que je leur ai donné un coup de main, j'ai plus envie quoi. Voilà, moi j'ai dit, voilà, vous faites ça et ça et c'est tout. Maintenant, est-ce que la personne l'a fait? Je n'en sais rien.
Je ne vais pas les demander. Voilà, je le saurai quand la personne, on se rencontrera au hasard, comme ça, quelque part. Ça sera le pur hasard, quoi. Donc. Alors, compteur Linky, à Sainte, une armoire électrique prend feu et prive 200 foyers d'électricité. Façon, si un compteur Linky prend feu, il y a tout qui prend feu à côté, hein. Si les papiers, les papiers, je veux dire, si les pompiers n'arrivent pas à temps. Voilà, le compteur Linky, un compteur Linky a été installé il y a peu dans l'armoire. Donc ils mettent, on ignore la cause de cet incendie, mais il n'est pas criminel. Notons néanmoins qu'un compteur Linky vient d'y être installé et qu'une intervention de maintenance y a été réalisée mercredi. Au moins maintenant, je suis plus surprise, hein. Je suis plus surprise. Monsieur se les fait installer alors que lui il voulait pas. Eh oui. Bon, peu importe maintenant. Alors. Alors, qu'est-ce qu'ils mettent là dans la dépêche du Gers? Alors, voyons, qu'est-ce qu'ils mettent aujourd'hui? Je vais juste voir quand je le vois. Bon, les vignerons, c'est catastrophique quand même. Ils mettent des fois des trucs, alors qu'il y a des trucs, bon, je trouve beaucoup plus importants, mais bon, c'est comme ça. Quelqu'un dans des dessins animés. Surtout, ne va pas sur Facebook, il t'espionne. Et puis, il y a le Linky, il y a le téléphone portable, il y a le truc là.
hein. Ah. Ah, là, il y a un truc peut-être marrant. Je vais pas vous lire ce qui est marqué, mais voilà. Il y a un escargot sur le dos d'une tortue. Bon, je vais pas la partager parce qu'il y a trop de gros mots, mais elle est marrante, quoi. Elle est marrante, mais je vais pas la mettre sur mon nom, mais elle est marrante. Alors, je suis une fan de Disney, hein. J'adore Disney. Pour ceux qui savent pas, mais voilà, je vous le dis. Alors, ah, le groupe WhatsApp des années 70, ben oui, les gens ils se parlaient d'un balcon à un autre. Quand ils n'avaient pas toutes les machines qu'on a maintenant. Alors. Mademoiselle Bio, ok. Oh, il est joli le dessin. Il est bien réalisé. Alors, je n'ai pas changé, j'ai seulement compris que je dois m'occuper de moi-même car personne ne le fera à ma place. Je me suis trop longtemps occupée des autres. À partir de maintenant, je pense à moi. Eh oui, à un moment donné dans la vie. Ça c'est tout mimi, ça c'est tout mignon, des petites images comme ça. Donc si la vidéo s'arrête, c'est normal, hein. Alors, voyons. Bon, pour l'instant, il n'y a rien de plus depuis hier. Bon, bien sûr, Disney, ça c'est. Moi, j'adore. Alors, c'est quoi ça?
Donc là, il y a un bandit avec son arme. Il dit, donne-moi ton argent. Et le mec, là, il dit, vous ne savez pas à qui vous parlez, je suis un très important politicien. Et le bandit répond, alors rends-moi mon argent. Ah ben oui, hein. Il faudrait peut-être qu'il pense à nous le rendre. Quelqu'un qui m'a répondu. Voyons. Alors. Voilà. Alors, je sais pas hein, si le mec il est vraiment en fauteuil roulant ou est-ce qu'il a fait une photo comme ça, je peux pas vous dire hein, mais voilà quoi. Voilà. Je préfère rien dire parce que. Je vais me taire. Bon, allez, je vous laisse. Ah, j'ai une mise à jour à faire. Ça tombe très bien. Installez les mises à jour. Allez, bye bye.